Happy Girl. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler recettes d'automne avec des légumes de saison. On va partir sur un dal de lentilles corail aux carottes, une petite purée de potimarron et une confiture de marron. Alors pour le dal de lentilles, il nous faut bien sûr des lentilles corail, deux grosses carottes, des oignons de préférence, mais moi je n'avais que des échalotes, et une ou deux gousses d'ail. On épluche le tout, on coupe le tout, et on peut rajouter un petit peu de gingembre. Donc dans un wok, je fais chauffer de l'huile de coco pour donner un léger petit goût de coco. J'y fais revenir les échalotes et l'ail, ou les oignons et l'ail. Je fais dorer un petit peu le tout. Une fois que ça commence à changer de couleur, j'y ajoute les carottes. Et moi j'ai dosé avec un verre d'eau et j'ai passé deux verres de lentilles corail. Maintenant on peut mettre toutes les épices, donc j'ai mis du curry. Du curcuma. Un petit peu de piment d'Espelette. Je mélange le tout. Et j'y ajoute un verre d'eau. Donc au début, je suis partie sur un verre d'eau et en fait, il faut rajouter au fur et à mesure. Et à ce moment-là, on peut peler quelques morceaux de gingembre. Moi, la petite astuce, c'est que je le conserve au congélateur. Et du coup, quand j'en ai besoin, eh bien, je le pèle juste au-dessus de ma cuisine. Et puis, ce qui me reste, je peux le remettre au congélateur. Là, on peut voir que j'ai rajouté un verre d'eau. Au total, j'ai dû mettre 4 ou 5 verres d'eau. On couvre le tout et on fait chauffer à feu doux. Il faut bien surveiller que ça ne sèche pas. Et si ça sèche, il faut rajouter à chaque fois un petit peu d'eau. Normalement, ça sent très bon. Là, j'ai vérifié que les carottes étaient bien cuites. Et voilà. Seconde recette, on va passer à la purée de potimarron. Il faut se munir d'un bon couteau. Je vous ai passé les étapes, mais c'est assez physique. On coupe en morceaux, on peut laisser la peau, donc il faut bien laver son légume avant. Je me suis servi du Thermomix pour faire cette recette. Donc j'ai à peu près 1 kg de potimarron coupé en dés de 3 à 4 cm. J'ajoute 180 g de lait. Bon, j'ai un petit peu dépassé et j'ai mis 190 g de lait. Je fais chauffer le tout 20 minutes. À 100 degrés, fonction inverse, vitesse 1. Et on fait chauffer le tout sans le gobelet. À la fin de la cuisson, je peux enlever la fonction inverse, je mets le gobelet et je mixe 40 secondes vitesse 3. Je peux ajouter un petit peu de noix de muscade, du sel, du poivre.
et aussi l'équivalent de 2 cuillères à soupe de crème liquide. Je remets le couvercle et je peux mixer le tout 15 secondes, vitesse 10. Et voilà, ma purée est prête. Alors je l'ai trouvée un petit peu liquide, mais comme j'ai mis 10 g d'eau supplémentaire, c'est peut-être pour ça. En tout cas, nous ça nous a convenu et on l'a trouvée délicieuse. Troisième et dernière recette, la confiture de marron ou de châtaigne. Alors toujours avec l'aide de mon Thermomix, on commence par mettre 250 g de sucre en poudre. Donc moi j'ai pris du sucre roux, comme toujours. Il préconise de mettre un sachet de sucre vanillé. Moi j'ai préféré mettre une gousse de vanille directement. 320 g d'eau dans le Thermomix. Et je fais chauffer 8 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Après cette étape, on peut ajouter les châtaignes, à peu près 500 g. Donc des châtaignes bien sûr que j'avais fait cuire auparavant et dont j'avais enlevé les deux peaux. Ensuite, je remets le couvercle de mon Thermomix et je fais chauffer 20 minutes à 100 degrés, vitesse 2. Une fois que c'est cuit, je mixe 1 minute, vitesse 8 et voilà le résultat. Pendant le temps de cuisson de mes châtaignes, j'ai stérilisé des pots en verre de récupération avec de l'eau bouillante. Donc mes pots étaient prêts à recevoir la confiture de châtaigne. Et donc sur cette étape-là, il ne faut pas perdre de temps puisqu'il faut mettre en pot quand sa préparation est encore très chaude et que les pots sont encore chauds par l'eau bouillante qui les a stérilisés. On met le couvercle tout de suite, on serre bien et ensuite on retourne le pot pour chasser l'air. Donc j'ai fait plusieurs pots avec des petits formats pour faire déguster à mon entourage et des plus gros formats. C'était une première pour moi et je suis très contente du résultat. C'est une confiture qui fait un petit peu l'aspect pâte à tartiner et donc pour avoir testé sur une tartine, c'est délicieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard. Bye bye.